gentlemen, this is your captain speaking. On débute cette nouvelle journée à Osaka, au marché d'Ishiba. Pourquoi le marché d'Ishiba? Je vais vous dire pourquoi pas. C'est un marché c'est un marché local. Donc on a des prix locaux, c'est pas blindé de touristes, donc c'est quand même super appréciable. Et la petite différence qu'il y a avec d'autres marchés, c'est que vous avez beaucoup de prêts à consommer. Si vous êtes si vous avez une petite faim, c'est parti directement. Il y a des petits stands, des petites échoppes. C'est très très bien huilé, une nouvelle fois. Et on s'y sent bien. Voilà, on est en sécurité, il n'y a pas trop de monde. Ceci dit, il est de bonne heure aussi ce matin. Il est environ 7h30-8h. Donc peut-être que tout le monde n'est pas encore réveillé. Ceci dit, le japonais est plutôt lève-tôt. Hein, mais c'est peut-être les touristes qui ne sont pas levés de bonne heure. Bonne note pour ce marché d'Ishiba. Si vous êtes de passage à Osaka, n'hésitez pas à venir ici. Alors, juste à côté du marché, vous avez le Café Plaza. Alors, je suis arrivé là-dedans complètement par hasard, tout simplement parce que j'avais envie d'un bon café. Et je me retrouve avec déjà une belle petite présentation. C'est pas leur fort ici, la présentation au niveau des petits déjeuners. Et surtout, c'est la façon dont ils font le café. C'est une façon complètement à part. Je vous montre ça tout de suite. Et le café est délicieux. Sans plus, on va dire, ça vous permet juste d'approcher d'un petit peu plus près Glico. Il n'y a rien de fou, hein. C'est un petit canal, ils font à peine 500 mètres et ils font demi-tour avec beaucoup d'explications. C'est pas très intéressant en fait ce qu'ils disent, mais bon, voilà, c'est fait. C'est dans le cadre du Osaka Amazing Pass, donc c'est gratuit. Donc on n'a pas vraiment le droit de se plaindre. J'ai juste un énorme regret aujourd'hui, c'est voilà ce que vous voyez derrière moi là, le Don Quichotte, il marche pas, il est en maintenance. Et j'aurais bien aimé faire un petit tour du manège pour aller tout en haut. Je pense que ça devait vraiment valoir le coup, c'est dommage, c'est fermé aujourd'hui. Bon, on reviendra à Osaka. C'est l'une des adresses les plus courues d'Osaka. On fait la queue pour avoir une table ici. Et il est 11h30, c'est l'ouverture. J'ai raté un petit peu le coche au niveau de la vidéo parce qu'il y avait une queue qui atteignait bien une bonne cinquantaine de mètres. Dès l'ouverture, c'est plein. C'est une institution, si vous venez ici, il faut absolument passer dans ce restaurant. Ça vient d'ouvrir depuis 3 minutes exactement et le restaurant est quasiment plein. C'est tout simplement incroyable. C'est de la folie et il y a encore du monde de l'arcade. Alors voilà ce pourquoi tous les gens se battent ici. C'est ce petit combo comme ils appellent ça. Un petit set de 4-5 assortiments. Il y a du bœuf, des asperges, du poulet, des œufs et du porc. Voilà, c'est un petit mélange de tout ça, frit. Bon, voilà. C'est l'institution, donc on va respecter l'institution, on va manger, on va se faire plaisir.
Je vous mens pas, ça fait 10 minutes que c'est ouvert. Et il y a déjà des gens qui attendent, vous voyez, ça c'est la queue. C'est complètement délirant. Parce que en fait, c'est juste des aliments frits. Bon, c'est succulent, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est succulent. Par contre, qu'il y ait la queue comme ça, il est 11h45 exactement, d'un quart d'heure, c'est complètement. C'est délirant. Au moins un petit peu plus de 10 euros, vous avez un menu avec une boisson incluse. Franchement, quand vous avez mangé ça, vous êtes tranquille pour au moins 12 heures. Vous êtes bien plein, c'est parfait. Super adresse. Voilà, c'est pas une réputation usurpée non plus ici. Alors j'ai pas trop de chance. J'ai pas trop de chance. Il s'est mis à tomber de l'eau, une grosse averse. Et du coup, ça a fait fuir les gens. Une petite excursion de prévu, on devait être une petite vingtaine. Et résultat des courses, je suis le seul. Donc j'ai un équipage pour moi tout seul, enfin un équipage. Une traductrice et un pilote. Et voilà, bon alors par contre le temps c'était pas terrible du tout, mais bon, il faut composer avec, hein. Jusque là on avait été chanceux, on avait eu du beau temps, maintenant moi la pluie me dérange pas plus que ça, surtout qu'on est à l'abri, donc c'est pas comme si, voilà, comme dirait un ami, il y a que les peureux qu'on peur. Le Yadobashi Umeda. C'est tout simplement le bâtiment le plus fou ici à Osaka. C'est un building haut de 8 étages, facilement reconnaissable et puis surtout facilement accessible d'un petit peu partout. Il y a de tout, que ce soit des fringues, mais surtout ce bâtiment il est réputé pour une chose, c'est tous ces objets de dernière technologie. Vous avez plein de nouveaux matériels, que ce soit des télés, des drones, vous avez des appareils photo, des caméras, tout ce que vous pouvez imaginer par rapport à la nouvelle technologie, vous allez le trouver ici. C'est réellement impressionnant, c'est 7 étages, 8 étages de bonheur, c'est complètement fou. Et alors, l'autre truc qui est complètement fou, c'est les prix. C'est comparé à la France, on peut facilement considérer qu'il y a 20-30% de réduction. Et en plus, pour les touristes, si vous présentez votre passeport, vous récupérez la TVA. Donc vous regagnez encore 10%, 12% je crois. Donc c'est exceptionnel pour nous, c'est du bonheur. La carte bleue va être obligée de marcher dans quelques minutes. J'ai pas été assez précis tout à l'heure quand je disais qu'il y avait 8 étages. Dans ce building, c'est qu'il y a aussi 3 sous-sols, donc 11 étages de folie. Là je suis dans l'étage des jouets, enfin, les enfants, vous comprenez pourquoi ils tournent dingue, quoi. Jouets, manga, il y a tout est super bien rangé, c'est réglé, enfin, c'est réellement impressionnant une nouvelle fois. Le Japon vraiment c'est... J'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal à imaginer qu'un jour on sera comme ça en France. Ça me paraît tellement inconcevable. Mais déjà, je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Donc voilà. Mais en plus, quelle rigueur dans tout. Vous voulez faire un achat, ils vous font essayer le produit. Et vous ne faites pas beaucoup d'attente en caisse. Tout est huilé, c'est la perfection. Et il y a du monde, il y a du monde. C'est impressionnant. Mais malgré tout, cette sensation, on n'a pas la sensation d'être étouffé. Alors après avoir fait le building Yadobashi pour tout ce qui est nouvelle technologie, on va aller désormais faire une activité non pas périlleuse parce qu'elle n'est pas... C'est du déjà vu et c'est du déjà fait. Mais la hauteur peut impressionner. On va faire ce qu'on appelle le Hep5. Ici, c'est une grande roue qui est située en plein milieu de la ville. Et on peut déjà la voir, hop, derrière moi. Elle vaut son pesant de cacahuètes. Bon, moi, j'ai envie de dire, on peut plus faire demi-tour. On a fait le plus dur, on est monté.
Voilà. J'espère que c'est pas comme dans l'amour, hein, que le moment le plus jouissif c'est de monter les escaliers, parce que sinon c'est pas le truc. Non. C'est qu'une roue. C'est parti pour le F5. Cabine privée. Ça monte. Ça monte assez haut, même très haut. On va voir ce que ça va donner tout à l'heure. Pour le moment, c'est pas encore parti. Hein. Ça va vraiment tout doucement. On est en toute sécurité. Ce qui est impressionnant, c'est que ce F5, en fait, il a été construit entre deux bâtiments. Donc vous passez entre ces deux bâtiments-là. C'est ingénieux. Fallait y penser. Bravo à eux. Là, on commence à prendre de la hauteur. Je vous avoue que ouais, c'est pas terrible mon histoire. Moi, ouais, j'ai pas le vertige, hein, mais la hauteur, parfois, ça peut surprendre. C'est vraiment grandiose. On prend de la hauteur, c'est magnifique. Et pour bien faire le truc, vous voyez, sur chaque porte, vous avez un petit détail de tout ce qui peut, de tout ce que vous pouvez voir. Donc en fait, vous ne faites pas qu'observer bêtement. Vous avez la petite explication qui va avec, le petit plan qui va avec. C'est génial, c'est super bien fait. Je ne sais pas si vous mesurez également la grandeur, la hauteur à laquelle on est. C'est incroyable, c'est beau. Chapeau. Et alors cette roue, je sais pas combien elle fait de diamètre, mais c'est très très impressionnant. Elle est magnifique en plus, rouge pétante, c'est une vraie bonne idée. C'est cool.